Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog en Bulgarie. On a décidé avec mon chéri de partir quelques jours à Varna, à la mer. Alors Varna, je pense que c'est une des plus grandes villes pour partir à la mer. C'est vraiment super sympa. Et j'ai décidé du coup de vous vlogger tout ça, vous vlogger tout ce qu'on a décidé de faire. Donc ça va être un vlog assez chill. On va juste aller à la plage, manger, profiter tous les deux. Mais voilà, je trouvais ça sympa quand même de vous montrer un petit peu Varna, parce que c'est une ville que j'ai absolument jamais montrée sur ma chaîne et qui mérite quand même d'être vue. Je sais que beaucoup de Français même s'expatrient à Varna au lieu de Sofia la capitale, parce que c'est un peu plus tranquille et surtout il y a la mer. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez suivre mes vacances. Je poste régulièrement tous les jours tout ce que je fais. Voilà, bon, c'est parti, là on se dirige vers la plage. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mon petit maillot. On a déjeuné ce matin au buffet à volonté et franchement on est d'accord que les buffets de petit déjeuner, il n'y a rien de meilleur sur terre. En plus il est vraiment génial. Je suis dans un hôtel qui est trop sympa, la déco est trop cool. D'ailleurs je vais vous faire un petit room tour juste après, parce que là la chambre elle est dans un état, c'est pas possible, il va falloir ranger. Donc d'abord on va aller à la plage. Summer rain on the window. Watch the time float on. Cool air blows a memento. Petit poulet, petit riz. Bon, il manque un peu de légumes. On a la petite tomate. Et monsieur a pris un burger. Bon, le burger, il a pas l'air. Il a pas l'air comme sur la photo. Il a pas l'air montre le Insta vs Reality. Ça c'était ce qu'on nous promettait et ça c'est la réalité. Content? Non. Non mais je vais lui dire, attends. Petite pause repas, je sais pas si vous m'entendez correctement. C'est une bonne assiette quand même. Franchement j'avais pas très faim, il fait super chaud. Et monsieur a pris un burger. Et comme je vous disais, il est pas très garni. Mais il est pas très bon, non? Pas très bon. J'ai pas envie d'en prendre la tête. Franchement à la plage c'est souvent ça quand même. T'es souvent déçu par ce que tu as. Mais moi ça va, franchement, on va voir si le poulet est bon. Même le bœuf il est pas ouf. Hein. Ben si. On a un petit peu de poulet. Franchement c'est bien présenté. C'est du poulet quoi. Ce qui est bien c'est quoi? Le coca c'est bon. Après on va sûrement aller faire une petite excursion en bateau. Ils t'ont dit ce qu'on allait voir. On va juste voir. Ils ont dit qu'on allait voir la mer. Ouais. Sur un bateau. En fait, il y a un bateau juste sur la plage là et il vient et fait des allers-retours. Et je pense que c'est un petit trajet en mer. Je sais pas si on va voir des trucs exceptionnellement beaux. On va longer tout ça, on va aller vers les côtes là-bas. Mm-hmm. Et après, on va aller profond. Mais le papy, il a dit j'arrive dans une heure. Et il m'a dit ça il y a 2 heures. Ouais, c'est vrai que ça fait 2 heures. Je crois qu'il s'est endormi, il a pris une bière pour me dire. Il s'est perdu dans la mer. Et sinon, on passe une bonne journée. On reste trop cool. Ouais, franchement, c'est une bonne plage. Hein. On est à quelle plage? On a une plage à côté de Varna, mais pas à Varna même, parce qu'à Varna même, c'est vraiment hyper touristique en fait. Ça s'appelle Tchaïka. Tchaïka, en français, ça veut dire moitié. Oh, cool. On va économiser la batterie, on se retrouve sur le bateau ou pas. On verra, à voir. Petite pastèque melon pour le dessert avec la vue sur la mer. Franchement, on est pas mal là. On est vraiment pas mal. Ils ont mis des espèces de glaçons. Je pense que c'est pour conserver la fraîcheur. Mais du coup, c'est pas très esthétique, je trouve, mais bon, c'est pas grave. On va aller sur le bateau là-bas. On va aller le chercher. Здрасти, капитане! Разходка, трябва половин час. Allez, c'est parti, ça démarre. J'espère que la caméra va pas tomber dans l'eau par contre. Le capitaine, il a lâché le. Il n'y a plus personne là. On avance tout seul, c'est pas possible. Ça tombe.
Bah oui, mais... Il y a la musique et tout. Ouais. On rentre tout juste de la plage et je vous avais promis un petit room tour, donc je vous préviens, la chambre n'est pas aussi jolie qu'à notre arrivée parce que en 24 heures on a déjà étalé nos affaires un peu partout, vous pouvez le voir juste là. C'est une petite chambre mais franchement c'est trop mignon, j'adore, je suis vraiment trop fan de cet hôtel et on a dormi comme des bébés cette nuit. Donc si jamais vous voulez venir en Bulgarie, à Varna, sachez que l'hôtel Révérence il s'appelle et franchement il est trop bien et hyper abordable je trouve. On va de suite commencer le petit room tour. Quand on rentre juste là, il y a un grand miroir, ça c'est vraiment trop trop cool. Là on a un espèce de petit dressing. Je trouve ça super mignon de l'avoir comme ça. Bon, j'ai mis mes affaires n'importe comment. La déco elle est hyper spéciale mais j'adore. Là ce tableau juste magnifique, les petites lampes là. Et le mieux c'est le lit qui est vraiment incroyable avec les deux petites fenêtres comme ça. On n'a pas vu sur la mer mais on a vu sur un petit parc. Enfin c'est super mignon quand même. Et franchement c'est hyper lumineux, j'adore. Là on a pareil le petit placard avec de l'eau, du thé, du café gratuit et là bien sûr les choses qu'il faut payer. On a ensuite encore un miroir et des miroirs partout et c'est trop joli. Et là on a un balcon. Bon le balcon il n'est pas vraiment très aménagé mais voilà, on a un petit balcon, c'est vraiment hyper mignon, j'aime trop. Et là, on a la salle de bain. Hop là, juste là, petite douche. Bon, désolée, c'est déjà mouillé. Georgie s'est déjà douché. Petite toilette, enfin le basique quoi. Et là, comme ça. Moi, je trouve que la déco, elle est vraiment trop mignonne. Vraiment, je suis hyper satisfaite de cet hôtel. Le prix de la chambre, il est à 70€ la nuit, ce qui est quand même relativement élevé, on va dire, pour un bulgare. Mais pour nous, c'est très 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 bien pour ce qu'on a. Franchement, le petit déjeuner, l'emplacement, c'est en plein centre-ville de Varna. On est vraiment, on est à 5 minutes de la plage. On est pile dans le centre. Et voilà. Et pour l'instant, franchement, Varna, première fois pour nous. Et on est vraiment super contents. On trouve ça super mignon. Je recommande vachement Varna si vous voulez partir en vacances en Bulgarie, que ce soit en famille ou entre potes. Parce qu'il y a pas mal de choses pour sortir, il y a pas mal de restos. Pour l'instant moi j'adore. On est allé à la plage aujourd'hui, on a fait du bateau, on a pris des chaises longues pareil, on a payé 15 lèvres donc ce qui est l'équivalent de 7,50€ la journée entière, donc vraiment trop 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 cool. Et je trouve que les prix sont beaucoup moins chers pour ceux qui connaissent que Sozopol et que plein d'autres stations balnéaires de Bulgarie. Je vais prendre ma douche, on va très certainement prendre une pizza et aller au bord de l'eau sur la plage manger la pizza en regardant le coucher du soleil. C'est très cliché mais franchement j'aime trop cette activité. Meet me on the street lights. Meet me where the lights fade out. On va manger sur la plage. Hop là, regardez-moi ce spot de rêve. On a la plage avec le coucher de soleil qui arrive. Les pizzas et la dame du restaurant a bien voulu nous prêter des verres à vin. Donc voilà, on va lui ramener. Donc petit vin blanc, petite pizza. Là, on a une 4 fromages, mais plutôt 3 fromages puisqu'il n'y a pas de gorgonzola. C'est de la pâte noire, mais je pense que c'est purement esthétique. Et là, on a... qu'est-ce que c'est? El Diablo. Du coup, c'est une pizza au salami. Enfin bref, un truc de pimenté. Fou, quoi. Trop bien. En fait, on a trop de chance parce que c'est exceptionnel. On a des verres qu'on nous a offerts. Et on arrive sur une plage vide. Bon, vide, je veux dire, il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a pas de monde. Et on a deux sièges. On a deux sièges comme ça, là. Mais vraiment deux. À l'endroit qu'on veut, où il n'y a personne, où on peut filmer. C'est... On était franchement... Tout là-bas. Ouais, et hier on était dans le resto là-bas, c'est un bateau, c'était trop bien. Waouh. Bonjour, il est 5h du matin, on se dirige vers le lever du soleil. Comment tu vas aujourd'hui?
coup. Pour la trottinette. Il veut prendre des petites trottinettes pour aller du coup sur la plage voir le lever du soleil et faire quelques photos. Franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à me motiver. Bon, j'ai des yeux complètement explosés, mais on va essayer de faire des photos cool et d'être à l'heure parce que le temps de prendre les trottinettes, on verra. Les gens, ils rentrent tous de soirée, en fait, ils sortent tous de soirée. Genre, ils sont tous complètement, vous savez quoi. Et nous, on s'est levé à 5h pour aller voir le lever de soleil. Franchement, on n'a pas tous le même sens des priorités dans la vie. Ça a été. Je crois que c'était un des premiers couchers de soleil. Très réveillé. Un des premiers levers de soleil de toute ma vie, je crois. Moi aussi. C'est dingue, hein. Parce qu'il faut se motiver quand même à 5h du matin. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup. Et pourquoi je suis zoomée comme ça? Voilà, le lever de soleil est terminé. Franchement, ça valait grave le coup de se réveiller tôt. Moi, je serais d'avis qu'on aille petit déjeuner, mais monsieur a envie de se recoucher. La vérité, pour un réveil comme ça, vous êtes obligé de liker. Non, après, franchement, moi, je suis hyper en forme, là. Justement, le fait de se lever tôt pour aller voir le lever de soleil, je trouve que c'est hyper positif comme manière de commencer la journée. C'est dingue, quand même, parce que toutes les filles sur YouTube... Ils sont motivés pour se réveiller, j'ai pas vu un mec par contre qui se réveille. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mec. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux à deux, c'est beaucoup plus sympa à deux. De toutes les youtubeuses. Tu es le seul qui m'a accompagné, qui m'a pris en photo. Et pour vous, ça a duré 15 secondes. Moi, ça fait 45 minutes que je suis sur la plage. 45 minutes que je prends des photos, des vidéos, que je gère des TikTok, des Instagram, des... On a essayé de vous faire un timelapse du lever de soleil. Oh, regardez la lumière, comment elle est belle. De vous faire tout le lever de soleil avec la caméra. J'espère que ça aura donné quelque chose de cool. Moi, je vais essayer de le convaincre d'aller petit déjeuner. Je sais pas si je vais y arriver, c'est mal parti. On entend des Bulgares qui parlent de bon matin. Du coup, je vais essayer de le convaincre. Je vous tiens au courant si j'ai réussi ou pas. À ce qu'on aille petit déjeuner maintenant. Mais on peut pas en plus. Ils ouvrent dans 1h30, 7h30, 10h30. Donc on va dodo, let's go. Non, moi, je suis sûre que c'est pas vrai, c'était 6h30. Rien d'autre à dire. Tu avais raison, et j'avais tort. Merci, on va dormir. I've been thinking about good times. So tell me all your boys. De retour, j'ai complètement délaissé ce vlog. On s'est commandé à manger et on est sur la plage. Ça brûle? Désolé, mais... Du coup, je disais, j'ai délaissé ce vlog. Je suis désolée, on est resté juste à la plage aujourd'hui. Enfin, il est que 14h30 et là, on commençait à avoir faim. Donc, du coup, on s'est pris des petits trucs à manger que Georgie est en train de ramener en se brûlant les pieds. Donc voilà, rien de très intéressant. Je vais quand même vous filmer ce qu'on va manger et la suite de la journée. Je pense qu'on va pas tarder à rentrer parce qu'il fait super chaud. Frites avec fromage bulgare, mais franchement, les frites, elles sont froides et elles sont vraiment pas ouf. On a des tsatsa, poisson frit un petit peu, et ça c'est la même chose. Soulage, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas un repas de ouf. En vrai, on a payé 20€ pour tout ça, ce qui est énorme pour la Bulgarie. Et pour des frites de sang. Et c'est pas ouf en vrai. I've been swerving, I've been surfing to my magic side. I was in a magic city, going 50-50. I bet it all up on that red and they got real shifty, pity. It's a plan. Ouais, très très bon. Petit poulet teriyaki avec du riz jasmin. Franchement, ça a l'air incroyable. Petite moule sauce française. On a bien hâte de voir ça. Et là, c'était le petit plateau d'appetizer qui sont très très bons. Oh. Appetizer. C'est pas ça? On est dans un resto, franchement, ça s'appelle Maju et c'est super classe.
parler dans ce vlog. J'ai arrêté de filmer hier, enfin j'ai vraiment pas beaucoup filmé, je trouve, la journée d'hier. En même temps, c'était une journée assez chill. Hier soir, j'ai aussi gagné une petite peluche au jeu, genre les jeux de fête foraine, où vous devez lancer des flèches dans des ballons. Spoiler alerte, j'ai perdu, mais il m'a quand même offert, enfin le monsieur a quand même bien voulu que je prenne une peluche pour Tsunki, donc je suis trop contente parce que, comme vous avez dû le remarquer, dans ce vlog, Tsunki n'était pas avec nous. C'était la première fois que je la laissais aussi longtemps. C'est le jour du départ, on rentre à la maison et je vais retrouver un petit peu ma routine. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à commenter sous cette vidéo si vous avez des questions. Et voilà, il en est reparti à la maison. Je vais reprendre les vidéos un peu plus sport et nourriture parce que je sais que ça vous manque, même si ça m'a fait vachement du bien de faire cette pause. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit like, un petit commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.